Non, c'est pas toi qui es là. Bonjour, est-ce que tu as pu avoir un bac? Voilà. C'est toi qui courais derrière moi pour que je te mette en contact avec un bac. Tu comprends, non? Zasson voulait devenir mon conseiller. Il voulait devenir mon conseiller. C'est moi qui ai refusé. Et il y a les preuves. Il dit, tu dis, t'as dit dans ta vidéo, ne vous impressionnez pas, il y a audio même. Il voulait donner mon conseil, il y a la preuve, vous allez écouter. Moi, je ne parle pas, ouais, pour rien. Il est venu parler là, sans une preuve. Il est venu parler, ouais, tu courais derrière moi, moi, je cours derrière toi. Il a montré aux Ivoiriens ici, qui court derrière son ami. Il a montré aux Ivoiriens ici. Tu voulais donner mon conseiller? Parce que tu as vu, il frapponnait, il y avait des relations avec le pouvoir. Tu as commencé à rentrer dans mon inbox. T'as commencé à me stresser, t'as commencé à me chier, t'as commencé à me faire chier. Je ne peux même pas dormir. À 2h du matin, à minuit, Zasson m'appelle. Attendez, ils sont de faire passer. Ils ont commencé le début de notre conversation. Et on va voir qui t'appelait tous les jours. Ou c'est moi qui t'appelais, ou bien c'est toi qui appelais quelqu'un. Voilà. Zasson Patrick. Voilà Zasson Patrick. Nos premières conversations. Regardez. Hein. Vous allez me dire qui appelle qui. Il dit, moi, je l'appelais. Regardez-moi mes réponses. Hein. Tout ce qui est bleu, c'est moi. Et tout ce qui est gris, c'est Zasso. Regardez. Qui appelait qui? Regardez. Hein. Vous avez manqué appel des Zasso. Bonjour, frère. Rappelle-moi si tu es libre. Regardez. Hein. Souvent, maintenant, je n'ai pas envie de causer. Je suis obligé de mentir. Que je conduis. Regardez. Hein. Zasso. Vous avez reçu un appel des Zasso. Regardez. Hein. Quelqu'un qui dit que moi, je courais derrière lui. Moi, je l'appelais. Hein. Regardez les messages. Qui écrivait à son camarade? Regardez-moi mes réponses. Hein. C'est tellement vrai. En bref. Parce qu'il me faisait tellement chier. Regardez. Hein. Vous avez manqué appel des assos. Voilà. Fais-moi signe dès que tu seras libre. Je le fuyais même tout ça là. Regardez. Hein. Regardez. Vous avez manqué appel des assos. Voilà. Regardez. Regardez. Même quand il a été agressé, il était chaud chaud dans l'affaire là parce qu'il pensait que les gars allaient me donner les millions. Il allait l'envoyer là. Regardez. Hein. Vous allez me dire qui écrit à son camarade, qui court derrière son camarade. Voilà. Regardez. Regardez. Hein. Je suis là pour toi. Merci, je suis là pour toi. Je peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Donc, c'est moi, tu disais hier que moi, je courais derrière toi, non? Regardez. Hein. Regardez. Vous allez voir qui courait derrière son camarade. Zasso, tu dis hier, moi, je courais derrière toi. Que moi, il y a te faire rentrer à Abidjan. T'inquiète pas, aujourd'hui, là, il a montré quelques preuves. C'est même pas tout. Ça, c'est Facebook seulement. Regardez. Qui écrivait à son camarade? Moi, je suis toujours bref dans mes messages. C'est lui qui est toujours en train de m'écrire. Regardez. Toujours en train de me traquer. Regardez. Regardez les appels. Regardez. Hein. Vous avez reçu appel. Vous avez reçu appel. Regardez. Ça vient. Vous avez manqué appel. Yemi, je te rappelle. Souvent, Yemi, je te rappelle, je ne rappelle même pas. Regardez son bas. Il m'envoie lettre même. Lettre. C'est pas pour lui, c'est pas mais ça. Il m'envoie lettre. Tellement il ne répond pas. Regardez. Regardez. Hein. Vous avez manqué appel. Vous avez reçu appel. Regardez les appels manqués des assos. Quelqu'un qui dit que moi, je courais derrière lui. Regardez. Hein. Voilà. Regardez, même il avait fait une vidéo aussi à Arafat. Il y a des temps de parler d'Arafat, non? Regardez le message, il m'écrit. Juste te dit que j'ai apprécié ta vidéo sur Arafat. Tu as frappé fort. Vous avez vu comment les gens sont malos? Oh, tu t'as fait une vidéo pour dire non? Moi. Regardez. Zasso pratique. Il m'appelle. Il dit, il me stresse. Il dit, il m'écrit, mais il ne répond pas. Regardez. Voilà. Regardez. Il m'avait dit de parler en bac. Et lui veut parler en bac. Regardez. Hein? Il veut rentrer en contact. Voilà. Ouais. Voilà. Je viens de faire une vidéo. Tout ça là. Quand il fait quelque chose, il m'appelle. Regardez. Hein, qui appelle son camarade? Zasso. Viens dire que j'ai mal. Prends ton téléphone. Regardez. À un moment donné, même, il est fermé. À un moment donné, je l'ai fermé. Il ne répondait même plus. Regardez. Il m'envoyait, lui-même, il fait vidéo, il m'envoie en inbox. C'est-à-dire, il m'envoyait des vidéos en inbox, il m'envoyait des choses en inbox, je ne répondais plus. Tellement il était saoulant, tellement il était chiant.
Vous voyez, regardez, il ne répondait plus parce qu'il était chiant. Ce gars-là, c'est vrai, il est comme chien comme Tarzan. Quand il rentre dans ton corps, là, regardez, malgré ça, malgré qu'il ne décrochait plus, hein, mais il m'appelait sûrement. Il me stressait, mon gars-là, il va me dire. Vous voyez, non? La dernière vidéo qu'il m'a envoyée, c'était septembre. Voilà, vous comprenez, famille? Moi, là, je ne parle pas pour rien. Zasso, tu dis, moi, je courais derrière toi. Avec ces preuves-là, ça prouve qui court derrière son camarade. Vous comprenez? Maintenant, il y a d'autres preuves audio aussi que je vais montrer tout à l'heure. Je vais vous faire écouter. Zasso voulait donner mon conseil. Zasso, tu dis, tu es venu à Paris. Tu es venu à Paris. Moi, je courais derrière toi à Paris ici. Moi, Peter, je courais derrière toi à Paris ici. Tout le temps, tu es venu à Paris deux fois. Il a refusé de te voir. Il a fait semblant. La preuve est là. Écoute. Allô? Peter 007, lui-même, c'est comment? Comment tu vas, chef? Donc, je suis calé, et toi? Je savais que tu étais un malot, donc il a tout gardé, regardez. Donc, je suis calé, et toi? Le commando parachute. Parachute, tu es maintenant réfugié. Ah ouais. Écoutez, hein. Comment tu vas, frère? Ouais, ça va tranquille, et toi? Je suis à Paris. Ouais, l'autre là m'a dit ça tout à l'heure. Voilà, lui là, il est Et tout parti cas. pour coucher. Hein? Il a dit, je suis là maintenant. Quand la fin de mai, il te disait que je viens pas. Ouais. Donc, je me suis arrangé, je suis là parce qu'il faut que je te voie là. C'est ça, non? Tu retournes quand? Bon, c'est lundi, mardi. Ah, d'accord. L'autre là, il m'a dit que peut-être demain ou dimanche, on se voit sans problème. Ouais, arrange-toi parce que moi, il faut que je fasse de bonnes choses avec toi. On va se voir après. Vous avez entendu, non? Il dit arrange-toi. Il dit arrange-toi. Parce qu'il faut que je fasse des bonnes choses avec toi. Dans sa vidéo hier, il dit c'est moi qui courais derrière lui à Paris. Hein, pour montrer que vos assos, c'est un plaintaire. Ah, d'accord. Écoutez. L'autre là, il m'a dit que peut-être demain ou dimanche, on se voit sans problème. Ouais, arrange-toi parce que moi, mais il faut que je fasse de bonnes choses avec toi. Voilà. On va se voir, y'a pas de problème. Ta voiture en panne, là. Ouais, il m'a appelé, je lui ai dit, moi, je dois récupérer ça lundi. Je dois voilà, récupérer. Il... Ah, lundi, la caisse, lundi. Mais lui, il m'a dit qu'on va se voir. Si demain il n'a pas pu, dimanche, il va venir me chercher et puis on va aller te voir. Je lui ai dit, y'a pas. Non, moi, il préfère plus ta caisse. Plus ta... Moi, je suis pas dans la petite caisse. Parce que le gars, moi, je viens te voir, c'est une petite caisse là. Moi, Aïe, mais elle, ça peut se promener. Elle, ça va se promener. Non, je ne promène pas, on prend une image seulement, c'est tout. Voilà. Ça finit, ça, hein. Vous avez entendu? Lui, il préfère ma grosse caisse. Parce que lui, là, il veut juste l'image. Il veut juste faire pharo dans ma grosse caisse. Ça saute, t'es petit. Bois, putain, couru derrière toi. Attends, il reprend un peu, vous allez comprendre. Il y a beaucoup, hein, ne vous pressez pas. Parce que le gars, moi, je viens te voir, c'est une petite caisse là. Moi, Aïe, mais elle, ça peut se promener. Elle, ça Écoutez. va se promener. Non, on ne se promène pas, on prend l'image seulement, c'est tout. Juste l'image. On ne se promène pas, juste l'image. Tu vois, Zasso, tu es malheureux. Toi, là, c'est le matu vu. Nous, là, on ne fait plus de bruit. On a dépassé le stade du bruit, là. Voilà. On a dépassé le stade du bruit, là. Moi, Peter, là. Moi, Peter, là. Je ne suis pas ton camarade. Tu comprends, non? Je ne suis pas ton camarade. Je vous fais écouter deux choses encore. Qui doit être à Paris normalement aujourd'hui. Écoutez. Ah bon, taxi. Mais. Bon, attends. Normalement, est-ce que tu peux. Normalement, mmh. Je ne sais pas si c'est sûr, mais on m'a dit que normalement il doit être à Paris aujourd'hui. D'accord. Si il faut rentrer dans tous les réseaux, va déjà tout le Mamadou. Ouais. Ou bien, tu rentres dans tous les réseaux et puis tu rentres en contact avec Ambak. Ouais. Il faut tout faire. Si tu es avec lui là, il faut lui dire que ça soit dit, il veut que vous parliez. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut lui dire que Sassou, il a mon numéro pour ne plus m'appeler plus, mais c'est pas grave, mais tu lui dis que Sassou dit qu'il veut vraiment parler avec toi. Sassou a Écoutez. fait le truc, quoi. Écoutez la fin. C'est bon gars, mon frère. Il faut t'accrocher à un bon gars. C'est bon gars, il faut t'accrocher à lui. Écoutez, la fin. Tu lui dis que Sassou dit qu'il veut vraiment parler avec toi. Sassou a fait le truc, quoi. C'est le travail. C'est un bon gars, mon frère. Il faut t'accrocher à lui. C'est un bon gars. C'est un bon gars, il faut t'accrocher à lui. Zasso, Patrick, le vidéoman qui parle de quoi là? Toi, tu es politicien. C'est un bon gars, il faut t'accrocher à lui. C'est moi, je t'ai mis en contact en bas. Plaisantin là. Toi, tu es venu me dire quoi ici? Toi, quand toi, tu étais là,
moi, je suis venu d'Abidjan, je voulais te faire rentrer. Et puis toi, tu as refusé. Toi, moi, je t'ai dit de rentrer, tu as refusé. Toi, tu m'appelais matin, midi, soir, tu courais derrière moi. Les preuves sont là. Tu dis, un bac, c'est un bon gars, il faut qu'on s'accroche à lui. Et c'est ce que tu as en train de faire, famille. Mon frère, tu peux t'accrocher à qui tu veux. Tu peux t'accrocher à qui tu veux. Mais quand tu veux te réconcilier, là, ne t'accroche pas à quelqu'un pour dénigrer quelqu'un. C'est pas bon. C'est ce que moi j'ai compris, mon frère. Tu peux t'accrocher à qui tu veux. C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tout le monde sait. C'est ce que tout le monde voit. Accroche-toi à qui tu veux. Personne ne t'en voudra. Mais ne t'accroche pas à quelqu'un pour dénigrer quelqu'un.